Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je vous fais une toute petite vidéo pour vous montrer ce que je vais envoyer à deux scrap copines. Donc, la première, c'est Sylvie Scrap. Je crois que c'est comme ça, oui, Sylvie Scrap. Et Marie Chapelle, donc c'est des copines du groupe Facebook les Scrapinettes en folie. Donc voilà, c'est pas grand chose parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Mais bon, j'ai eu quelques jours de vacances en septembre, donc j'en ai profité pour préparer une petite chose ou deux. Donc je vais vous montrer. Donc si vous voyez la vidéo, c'est que leur anniversaire est passé, hein, bien sûr, parce que je voudrais pas qu'elles viennent faire un tour sur. Même si je dis pas pour qui c'est, bon après il n'y a plus vraiment de surprise. Voilà. Donc je vais juste vous montrer. Ce que j'ai fait, alors au départ j'avais fait une carte à un peu style art journal et puis je sais pas, j'ai l'automne venant, j'ai été très inspirée par l'automne, c'est une saison que j'adore. Je suis du mois d'octobre, hein, donc je suis un peu tombée dedans, comme on va dire. Donc moi j'adore l'automne, j'adore les couleurs de l'automne, tout ce qui se rapporte à l'automne, les feuilles qui tombent, le froid, voilà tout ça. Donc j'étais bien inspirée, donc j'ai fait une petite carte à Sylvie, je vais vous la montrer. Donc voilà, alors cette carte-là je l'ai faite avec les blocs, les nouveaux blocs qu'on a en ce moment chez Action. C'est beaucoup des blocs de Noël, mais il y en avait un qui était plus sur la tendance automne. Donc ça m'a inspiré. Donc j'ai pris une base de cartes de craft et voilà, je me suis un peu lâchée. J'ai pris les die cuts et puis je lui ai fait une petite composition comme ça. Moi je la trouve assez sympathique cette carte et j'ai rajouté des petits strass orange. Voilà, j'espère que ça va lui plaire. Voilà, petite carte toute simple. Et donc, je lui ai joint vraiment un petit cadeau. C'est une petite, comment ça s'appelle, un trombone altéré, ou on peut dire ça, bon, que j'ai fait il n'y a pas très très longtemps, suite au tuto de notre Catichou. De notre groupe les Scrapinettes en folie. Oh, excusez-moi, j'ai la voix un petit peu cassée, mais bon, moi ça revient régulièrement au changement de saison. J'ai des problèmes de. Voilà. Enfin, c'est bon, voilà. Donc je voulais vous montrer ça. Donc j'espère que ça va lui faire plaisir. Et puis je lui ai préparé aussi des petites clés comme ça. Alors ça c'est pareil, c'est un vieux tuto. Alors, je sais même plus le tuto. D'où j'ai vu le tuto. Je ne sais plus. Enfin voilà, donc j'ai cette petite clé-là de déco avec des poudres, je les ai embossées avec les poudres Stamp and Douce vintage qui sont super chouettes avec des capsules altérées. Voilà, je lui ai fait ça. Et puis je lui ai joint un petit sachet de senteur. Alors a priori, c'est les senteurs de cet hiver. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira. Moi j'aime bien accrocher ça dans mon armoire. Voilà, ça fait un petit cadeau sympa avec le reste. Donc la petite carte et ça. Et je vais vous montrer aussi ce que j'ai préparé pour Maryse. Alors Maryse, c'est pareil. Je lui ai pris un petit sachet comme ça pour accrocher aussi dans son linge. Et je lui ai préparé donc une petite carte. Alors là, c'est pareil. J'étais inspirée aussi par l'automne. Ça, j'ai fait un tamponnage. pardon. J'ai fait un tamponnage. Les tampons, je vous les avais montés. C'était des tampons que j'avais achetés il y a quelques mois. Je sais plus où je les ai achetés. Là, il y a la fourmi créative, peut-être bien. Enfin, sur l'automne, il y avait des champignons aussi. Je crois que c'est des Studio Light, je ne suis pas sûre. Mais bon, voilà, je ne les ai pas sous la main. Donc, je ne peux pas vous dire. Je les ai colorisés donc au crayon de couleur. Et ma foi, ça a été plus facile qu'avant parce que comme je fais beaucoup de coloriage, ben ça m'a bien aidé de faire du coloriage. Donc c'est plus facile pour moi de mettre en couleur mes tampons et je vais en sortir plus souvent parce que c'est super agréable. Et comme c'est du petit format, ben, ça prend pas des heures non plus. Ça c'est sympa. Et donc je lui ai fait sur une base de carte. Bon, j'ai pas encore écrit mon petit mot. Hein, je peux vous la montrer. Dans le fond, j'ai pris
Pareil, j'ai pris, c'est du papier Prima. Alors, c'est une ancienne collection d'automne. Alors, je me souviens plus du nom. C'était Amber, ouais, c'est Amber Moon. Si ça vous parle, Amber Moon. Ça fait quelques années, hein, j'avais acheté un grand bloc et j'avais jamais eu l'occasion de m'en servir. Voilà, j'ai eu envie de le sortir. Donc, j'ai fait le fond de cette carte comme ça et j'ai remis des petits peel-off. Moi, j'aime bien mettre des peel-off aussi sur les cartes. Voilà. Et je lui ai collé un peel-off Happy Birthday. J'espère que ça va lui plaire. Et j'ai mis aussi, alors vous n'allez pas forcément le voir, je vais. Voilà. J'ai mis du Wink of Stella sur le dessin. Comme ça fait un peu un petit effet pailleté. Moi, j'espère que ça lui plaira. Et puis donc, je lui ai fait. Alors, ça, c'est un. Je lui ai fait un petit flipbook. Vous savez que j'aime bien faire les flipbooks parce que. Assez rapide et puis ça permet de faire du scrap sans faire des albums qui durent très très longtemps. J'en ai deux en route, j'arrive pas à m'y mettre. Donc je lui ai fait ce petit flipbook que j'ai pris sur la chaîne Graffiti Girl. Vous savez que j'aime beaucoup cette collée, enfin ces tampons, ces pochoirs, c'est une boutique. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de lui faire un petit flipbook en espérant que j'en ai déjà pas fait parce que au fur et à mesure des années, moi je me rappelle pas ce que je fais à telle ou telle personne, ça c'est le problème et j'ai toujours peur de refaire la même chose. Alors j'espère que si c'est le cas, qu'elle m'en voudra pas parce que franchement, je me souviens pas si j'en ai déjà fait. Donc je vais vous montrer. Donc le tuto est pas de moi bien sûr, hein, je vous renvoie sur la chaîne Graffiti Girl. Donc voilà, moi j'ai mis du papier. Alors ça c'est du papier que j'ai récupéré, pareil de ma collection Amber Moon de chez Prima. C'est une vieille collection. Ça ce sont des tampons Graffiti Girl. Hein. Alors ticket ceux-là, ouais, je pense que c'est des tampons Graffiti Girl. Donc derrière c'est comme ça. J'ai laissé le papier Amber Moon. À l'intérieur ça s'ouvre comme ça. Donc j'ai fait une petite pochette. Bon, j'ai fait à ma sauce hein, le folio là, j'ai pas respecté exactement la même chose que Graffiti Girl. Moi c'est ça, hein. Je commence un truc et après je pars un peu en freestyle. Hein. Donc j'ai pas fait pareil. Donc je lui ai mis une petite pochette comme ça et je lui ai fait deux petits tags de la collection. Franchement, ce papier il est magnifique. Si ça vous intéresse, vous pouvez peut-être le retrouver. C'est vraiment un papier d'automne. Je vous montre le papier. Franchement, il est magnifique. Moi j'adore. Bah, je tâcherai de vous montrer ce papier après. Là. Je vais tâcher de le ressortir. Donc voilà, des petites cartes pour mettre à l'intérieur. Et je vous montre ici le papier. Oh, c'est toujours. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment shabby. Bah, enfin, moi, c'est ce que j'aime. Hein, donc, il n'y a pas vraiment de thème. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le petit livret comme dans le tuto, bien sûr, que j'ai encore arrangé à ma sauce. Voilà, je lui ai mis ça à l'intérieur. C'est toujours le papier Amber Moon. Vous voyez, avec les citrouilles, ça tombe super bien pour l'automne. Et ici, j'ai fait une deuxième pochette. Et j'avais aussi acheté une sorte d'éphéméra où il y avait des petites cartes comme ça, le papier un peu brillant. Donc, voilà. Et ça, c'est pareil, c'est des cartes de la collection. C'était des trucs à découper, quoi. Oh, j'adore, je vous montre, il y a un espèce de. Moi, je dirais que c'est un Irish coffee, mais bon, c'est peut-être un cappuccino simplement, ou un chocolat. Mais voilà, on dirait un Irish coffee. Et voilà, donc je lui ai mis une petite bande pareille de la collection. Le papier est juste magnifique, quoi. Voilà. Et à l'intérieur, j'avais fait un tag il y a quelques temps, et j'ai trouvé qu'il serait bien dedans. Donc, je vais faire un petit tag sur le thème de l'automne. Vous savez que j'aime faire les tags aussi. Donc je lui ai fait ça et j'ai repris des découpes. Ça, c'est des découpes, des vieilles découpes, des die cuts un peu en relief de chez Action. Enfin voilà, j'ai mis des choses en relief en 3D, vous voyez. J'ai fait ça, le petit renard, les champignons, le tronc d'arbre. Alors je crois que le fond, c'est du papier. Je ne sais plus. Bah, c'est une vieille collection aussi. Enfin, bon, voilà. Donc, voilà, j'ai voulu lui faire ça avec le petit. Voilà. J'espère que ça va lui plaire. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est histoire de dire que je ferai un petit peu quelque chose. Parce que je sais qu'elles offrent toujours quelque chose.
Moi, j'ai pas trop trop le temps, mais voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Je vais vous mettre en pause. Je vais chercher le papier pour vous montrer ce qu'il en est. Voilà, donc le papier, c'est un pack comme ça en 30-30. Et c'est bien ce que je vous avais dit, c'est Amber Moon. Le graphiste, c'est Franck Garcia. Donc, pour celles qui sont fans de la marque, vous devez connaître Franck Garcia. Donc, je vais vous montrer rapidement le papier. Alors, ça, c'est mes petites découpes qui restent. Ça, vous voyez. Et puis, alors, en même temps, j'avais acheté ça. Mais en fait, ça, c'était pour Goodie Pack. C'est pour un peu les planeurs. Mais je l'avais acheté parce que c'était pour mettre avec. Mais en fait, j'ai jamais fait d'album avec. Donc, vous voyez les papiers. Enfin, c'est quand même du... Moi, je dis que c'est shabby quand même. Sauf que c'est pas rose, quoi. C'est la couleur de l'automne. Il est vraiment, vraiment superbe, ce papier. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas évident de vous montrer. Mais... Alors, je sais pas si on peut le trouver encore. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Mais... voilà, j'avais envie de l'utiliser pour mes copines. Et puis... voilà, donc il y a du bois aussi, il y a de la citrouille, hein, franchement, moi j'adore hein, tout ce qui est... Bon, ça c'est autre chose, c'est une autre collection hein, que j'avais mis là. Enfin, vous voyez le papier, je vais essayer de vous montrer comme ça, mais il est magnifique, il est juste top, quoi. Bon, moi j'adore, mais alors ce que je reproche à Prima, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de modèles, et ça revient en 4 exemplaires, quoi. Donc c'est pour ça que je n'en achète pas trop, parce que c'est pas évident, hein. Il n'y a que 4, pas beaucoup de modèles, donc... ben voilà, donc... vous voyez, il y a du bois, enfin... C'est vraiment un super beau papier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, c'est ce papier-là aussi qui a servi à faire le fond. Enfin, voilà, il y a des citrouilles, des roses, des papillons. De l'autre côté, c'est des taches comme ça. Voilà. Puis ça, c'est des petites bandes à découper aussi, donc dont je me suis servi pour... Puis là aussi, il y a des citrouilles, il y a une citrouille blanche, voilà. Donc voilà, et puis encore des tags à découper derrière. Là aussi, c'est sympa. Voilà, donc j'ai voulu me servir de ce papier parce que je m'en étais jamais servi. Et que je me suis dit que c'était l'occasion. Et en fait, bah, je ne regrette pas parce que ça fait un joli ensemble. Donc voilà, c'était voilà, juste une petite vidéo comme ça, informelle, pour vous montrer. Voilà, je sors du travail, hein, donc je me dis, allez, je vais faire une vidéo avant de mettre ça sous pli. Bon, je suis un peu en avance, hein, mais je préfère que ça soit prêt parce que je sais jamais comment j'ai du temps. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à les poster et puis elles recevront ça pour leur anniversaire en fin de mois. On est le 14, donc ça doit être... Oh, ben j'ai ma liste là, je sais pas. Je crois que Sylvie, ça doit être... ça doit être bientôt. C'est pour ça que je m'y mets de bonne heure, mais j'ai mon petit calepin. Ouais, c'est le 25 et le 27. Je vous dirai pas exactement les dates. Voilà, donc je vais envoyer tout ça pour mes copines. J'espère que ça va leur plaire. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo. Bye bye.